Notre invité ce matin, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec les coupures d'électricité. Euh, 35 000 clients du Val-de-Marne privés d'électricité hier matin. Ce matin, il y a eu des coupures d'électricité dans la Drôme. Euh, de, plusieurs questions. Qui sont les victimes qui sont, oui. qui sont les victimes sont les victimes. C'est tous ceux qui vont travailler euh, plus longtemps euh, et qui vont partir à la retraite euh, au-delà de 64 ans euh, oui. avec la réforme du gouvernement. Oui. Donc, ce, ce sont ne sont pas ceux qui privés. sont privés d'électricité. De toute façon, il euh, je trouve qu'il y a un climat malsain. On va sûrement en parler. Oui. Euh, où on fait, euh, on, on accentue et le gouvernement y mm. contribue. Euh, je, vous, je crois que je vous l'ai déjà dit euh, sur cette antenne. Il y a des coupures d'électricité qui sont ciblées. Euh, il oui. peut y avoir, euh, il peut y avoir autour des, euh, des établissements ciblés. Des coupures qui sont fortuites pour les habitants. Et je le répète. Fortuite. Oui. Ça fait partie d'un réseau. ça fait partie. 35 000 clients, effectivement, c'est fortuit. Mais qui vous a donné le chiffre À quoi La direction d'EDF Mais qui vous, vous a donné chiffre Combien de communes Qui vous a donné le chiffre Nous, on dit. Vous avez le chiffre hein Nous, on dit, c'est pas. Parce que vous avez souvent des chiffres. Ce n'est pas, la... pas la réalité de ce qui s'est passé. Voilà, point. Ce n'est pas la réalité. Et les reportages que nous sommes allés faire sur le que ce je... n'est pas la réalité. Mais je vous, bon. écoute, je bon. vous écoute attentivement Alors, et, à je, quoi et je... Bon, je ne vais pas me mettre je... sur les chiffres. Mais non, non, mais je suis d'accord que pour tous les auditeurs ou, les, ou tous ceux que vous interviewez qui le matin se réveillent, qui n'ont pas d'électricité, ce n'est pas agréable. J'en je, conviens. Ce ne sont pas les seuls. Hein euh, marché de les falailles à l'arrêt, c'est autre chose. feux tricolores qui ne fonctionnent plus. C'est autre chose. Ça. Euh, bon, enfin bon. À quoi ça sert vous savez, à quoi euh, ça sert Quand, euh, quand euh, depuis le 5 décembre dernier, il y a des gens qui sont en grève. Vous savez combien il y avait, euh, on va parler de chiffres, combien il y avait de grévistes euh, dans l'énergie jeudi dernier, 30 000 personnes. C'est un chiffre conséquent, 30 000 personnes. Et que vous n'êtes pas écouté, que vous êtes provoqué sans cesse. Eh bien, il euh, y a euh, des euh, salariés qui disent, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il mmh. faut faire? Et donc, je le répète, quand il y a des grèves, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients euh, partout. On a beaucoup parlé, vous avez par beaucoup parlé de la SNCF et de la RATP. Je vous mmh. ai régulièrement dit, il mmh. n'y a pas que qui sont en grève. Mmh. On parle des ports en ce moment, par exemple. Mmh. Mmh. Quand il y a des grèves, il y a des euh, choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Est-ce de la délinquance Non, non, non. Non, non. non C'est pas de la délinquance. C'est pas pas de la délinquance. C'est mmh. hors la loi. C'est pas de la délinquance et c'est pas. Euh... Est-ce qu'il faut poursuivre en justice les auteurs de ces coupures C'est ce que fait la direction de la SNCF parce qu'elle refuse de reconnaître le mécontentement et je. Là, vous je vous dis... parle des coupures d'électricité. Oui, oui, oui. Je sais de quoi vous parlez. Oui. Je vous dis que quand il y a des gens en grève, il y a des. Alors, est-ce séquences... que vous dites ce matin, est-ce que vous dites à ceux qui coupent l'électricité, arrêtez non. non, je dis au gouvernement, écoutez. Ça suffit les provocations plutôt que de stigmatiser les grévistes. On a l'impression et ça s'est amplifié depuis que les cheminots et les agents de la RTP ont changé leur forme de grève que le gouvernement fait un site tout va bien dans le pays. Il y a un problème dans ce pays, c'est le projet de contre-réforme des retraites. C'est ça qu'il faut régler. Bien, mais vous ne dites pas arrêter, on est non, bien d'accord, non, non. Donc... Vous trouvez légitimes ces euh, revendications, je, ces manifestations, les, ces coupures d'électricité, les, les grèves, c'est légitime. Les manifestations, c'est légitime. Les actions qui sont menées, c'est légitime. Donc les coupures d'électricité, c'est légitime. Comme je vous ai déjà dit, oui, je soutiens pleinement des Formes de, 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 de mobilisation mmh. qui, peuvent, qui sont contestées aussi par la direction que le gouvernement n'en parle pas, de rétablir le courant à ceux qui sont coupés parce qu'ils ne peuvent pas payer, mmh. de passer en heure creuse des foyers euh, alors qu'ils devraient payer plein pot. Ça aussi, on pourrait discuter. Est-ce que c'est légitime ou, légi ou illégitime Le gouvernement n'en parle pas et ce, ces formes d'action aussi, nous les soutenons. Donc vous les soutenez, vous dites continuer à ceux qui coupent l'électricité. On est, on est bien d'accord. Hein. Vous dites continuer. Je, 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 amplifier je, mais, amplifier je, ce genre de méthode. C'est ce que vous disiez en décembre. Je, je, Ici même d'ailleurs. Je, je, je dis au gouvernement si vous n'écoutez pas, ça va s'amplifier, oui, parce qu'il y a, y a une colère dans ce pays, il y a une colère. D'ailleurs, je, je vais tout à l'heure, pour vous montrer que je soutiens, oui. je vais tout à l'heure. Euh, enfin, donc, je, on coupe dès que je vous quitte, je vais à Gravelines soutenir les grévistes de, de la centrale de Gravelines. On coupe l'électricité, on, on baisse la production dans les centrales, parce que couper, c'est impossible. Quand on, mais on baisse mais, la production. Quand il y a des donc, grèves, il y a oui. moins de gens qui travaillent et donc il y a moins de travail de réaliser. Oui, mais on Oui, on baisse volontairement la production. <laughs> aussi la, euh, donc, il y aura de nouvelles actions de ce type. On est bien d'accord. Euh, vous allez continuer. Bien. Euh, vous marquer les esprits, c'est ce que l'on dit à la CGT Énergie, marquer les esprits et euh, avoir un impact sur l'économie, c'est ça. L'objectif, c'est quoi C'est d'avoir un impact sur l'économie française. L'objectif, c'est ça. C'est après, oui. Depuis le 5 décembre, de oui. dire il y a un problème dans ce pays, soit on écoute, soit on fait semblant qu'il ne se passe rien, on passe en force et ça génère de plus en plus de colère, hum. de plus en plus de colère. Mais où ne, est l'intérêt de détruire l'économie à quel, Rungis, mais, au marché quel, ou dans des entreprises mais, 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 euh, locales mais, ou à Orly Je ne comprends pas. Où est l'intérêt je vous pose la faut, question. Pesez vos propos, parce que détruire. Ah, ça, détruire. Il y a un journal, il y a un journal qui a titré euh, comment la CGT ruine l'économie. Ah oui, non, mais non, mais chacun ses responsabilités. D'accord, mais vous avez une responsabilité, vous, en oui, tant que bah journaliste, oui, oui. À, à, à faire attention et à peser les mots que vous Pardon, utilisez. Mais ce sont les militants et adhérents donc, de la CGT. Donc, qui ont ces mots donc, Ce n'est pas moi. Donc, Felipe Martinez. Je vous ne répète. Vous cachez pas. Ne vous cachez pas. Est-ce que c'est mon habitude de me cacher Eh bien là oui. Non, pardon, non, pas du tout. Pardon de je, vous dire. Je, je suis assumé ce que Mais disent qu -ce que les je... adhérents de votre syndicat. Qu'est-ce qu que je viens de dire ben nous, donc, encourageons, détruire nous encourageons. Mmh. Nous encourageons à amplifier les mouvements de grève. D'ailleurs, il y a une journée d'action. — Vendredi. — 24. — Et j'invite tout le monde, parce que c'est mmh. l'occasion de montrer encore plus fort le mécontentement, parce que c'est le jour où le projet passe au Conseil des ministres. Il faut se faire entendre. Il mmh. faut se faire entendre. — Alors où est l'intérêt de détruire l'économie Et je maintiens le mot. Où est l'intérêt ?— Mais c'est pas détruire l'économie. Je vous, je vous répète... Que quand il y a des grèves, eh ben l'économie, elle en prend un coup. Ben oui. Et eh ben voilà, c'est tout. Vous détruisez l'économie. Non, du tout pour l'économie. Ah bon, d'accord. Bon, quand vous coupez l'électricité, ben bon. Mais Allez, non, je vais pas, je vais pas. <laughs> faut, je vais pas. Il faut aussi avoir des propos, bon, des propos cohérents. On se vante. Propos cohérents, c'est vous qui les se, tenez, ce n'est pas se moi. Aux adhérents. Le, le gouvernement se vante oui. qu'il n'y a jamais eu autant d'investissements mm. étrangers dans notre pays. Vous voyez que le pays est attractif. Il faut aussi avoir mm. des discours cohérents. Bien. Euh, alors, je finis avec les coupeurs d'électricité. Oui. Euh, vous avez coupé l'électricité aussi, je dis vous, parce que c'est la CGT, oui. euh, au siège de la CFDT. C'est acceptable ou pas Je me suis exprimé sur le sujet, non bah — Alors c'est pas acceptable aussi pour la CFDT. Ce est, est... Et c'est acceptable... Alors vous êtes... C'est quoi C'est la solidarité syndicale, C'est euh, Non, non, Martinez, non. non c'est non, 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 pas la même chose. Bah — ah Bah c'est quoi Allez-y. Expliquez-moi pourquoi. — Si vous me laissez parler, je, je vous, vous, vous expliquer. Laisse. Je vous dis qu'il y a des actions ciblées sur des points stratégiques... Euh, et euh, euh, on ne vise pas les citoyens, euh, même s'il peut y avoir euh, quelques dégâts, on va appeler ça, j'aime pas ce terme, mais quelques dégâts collatéraux. Euh, quelques dégâts, moi, On est bloqué dans un ascenseur. Mais c'est pas vrai, dégâts. mais c'est pas vrai. Pas vrai mais, mais dans tous les, oh, mais, mais dans, dans les ascenseurs, je, oui. on va pas faire des débats techniques, vous savez ah. bien qu'il y a des systèmes de secours. Mmh. Tous ceux qui ont des. Par exemple, on a, on a dit, on va. J'ai entendu une mise dire, mais vous vous rendez compte, les, les gens qui sont sous oxygène, il y, y a partout. Mmh. Des solutions de secours oui, dans les hôpitaux aussi. Et on dans a... les hôpitaux, c'est vrai. Et, et, et même dans les hôpitaux, je vous ai dit qu'il y avait un député des Landes qui avait fait une fake news. Ça oui, n'aide pas. Donc je reviens sur votre question. Oui. Je pense que. Moi, je suis pour le débat. Et le débat contradictoire. Et je pense que ce genre d'initiative d'action n'aide pas à. Euh, Condamner à... cette action Je l'ai dit très clairement. Je, je, la CGT a fait un communiqué en disant ce genre d'action n'est pas bonne, n'est oui, pas, bah ne... pas, pas bonne parce qu'elle ne. Condamne pas, c'est une action n'est pas bonne. Attaque Bour... inacceptable. Me... C'est me... ce que vous avez dit puisque vous êtes à me... cheval me... sur les me... mots. Non, non, monsieur Bourdin. Euh... C'est la CGT qui a je, dit je, ça. Alors. Je, me... Oui, voilà. Attaque monsieur Bourdin, je vais faire de la pub. Mm -hmm. je fais une interview aux Parisien euh, dimanche. C'est mm -hmm. marqué. Je condamne ce genre d'action. Bon. C'est clair. Bon. Parce — Parce que ça n'aide pas. Parce que ça n'aide pas. — Moi, je lis. Est-ce que vous condamnez ce que dit la CGT Énergie Berger négocie les couleurs et les ce formes est, est, de nos futures chaînes. Oui ou non ?— C'est un syndicat de l'énergie. C'est pas, pas la CGT Énergie. Ah bon Arrêtez d'essayer de, 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 d'en rajouter. La position rajoute de la vous... Confédération Générale du Travail que je représente, mmh. elle est claire. Moi, je suis pour le débat démocratique. Mmh. Je suis pour le débat démocratique. Et je pense que, euh, voilà, autant il euh, y a besoin de plus de monde en grève, hein, que ça s'exprime, qu'il y ait des manifestants, qu'on débatte, mmh. euh, projet contre projet, parce que nous avons raison dans tout ce que nous disons sur les conséquences du projet du gouvernement. Parce que c'est ça le fond. C'est ça le fond. Est-ce qu'on va travailler plus longtemps? Oui, vous avez entendu. Au moins 43 ans de carrière. Ça veut dire que les jeunes qui aujourd'hui quittent l'école à 24 ans, vous savez compter comme moi, après 43 ans, c'est 67 ans. On est loin de l'âge pivot, de l'âge d'équilibre où on essaie de nous embrouiller. C'est ça la réalité. Et donc, je pense que c'est autour de ça qu'il faut débattre. Et moi, je je, je, je mets aussi la responsabilité sur le gouvernement parce que plutôt que nous, nous expliquer pourquoi cette réforme est juste et simple, eh bien, on stigmatise les grévistes, on oppose la population. Il y a besoin mais non, les, pour détendre l'atmosphère. Je, je ne vais pas prendre parti ni pour le gouvernement, ni pour ça. vous. Je, non, non, je, mais comprenez vous demande ce que pas je veux ça. dire. Moi, je me mets à la place de celles et ceux qui euh, vivent tout ça en dehors. Mais de oui, ce mais qui et qui disent quoi Qui vous renvoie dos mais, à dos hein. Je vous non, dis tout de suite, hein. le gouvernement grémit vous renvoyez dos vous voyez, à dos. Y a, y a, vous les avez, responsabilités sont partagées. Vous voyez ce qui mais se passe mais... dans les pérénne euh, oui. orientales aujourd'hui, oui. il pleut. Vous, oui, et puis il y a le... des coupes, il y a des coupures d'électricité parce qu'à cause des intempéries. Mmh. Qui mmh. va les réparer Ils vont les remercier, ils vont les remercier parce que c'est aussi c'est pour ça qu'ils partent à 57 ans en moyenne. À tous, en moyenne 57 ans, comment pas tous, parce qu'il y a de la pénibilité, Et... mais non mais en moyenne, mais, mais vous avez... Vous avez on, on, on fait passer aussi l'idée que ça serait tout le monde, que ça serait des privilégiés. Je vous mmh. dis, vous croyez que ceux, les agents qui vont aller réparer le courant... Euh, dans, dans les dans, et, et on l'a vu mais, pour la neige etc. Très bien. Ils vont être remerciés. On les salue et on les remercie et on, remercés, mais, et et bah, on dit qu'ils font bien leur boulot et, on dit que, et ils ne sont pas les on, seuls à et, bien faire leur boulot. Mais on a peu de dans le ça. privé autant que. Euh, autant que. Mais bien, je suis aussi bien. Bon, va, pas, bon, bah, bah, ben, voilà. Je suis aussi bien placé que vous pour en parler. Je suis aussi bien placé que vous. Mais dans le privé on parle pas à 57 ans. Mais Monsieur Bourdin vous devriez savoir puisque c'est le sujet de cette réforme. On parle beaucoup d'emploi des seniors. Il y a beaucoup de gens qui partent avant mmh. 60 ans, avant mmh. 60 ans, parce qu'ils sont virés de leur entreprise. Mmh. Bien sûr. Bah, Qu'est-ce qu'on fait avec Il y, y a des négociations sur l'emploi des seniors avec de négoci... les syndicats. Il n'y a pas de négociations. Bon. Alors, vous avez rencontré Muriel Pénicaud hier. Oui. oui. De quoi avez-vous parlé De pénibilité On a parlé, premièrement, euh, de... qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps parce qu'elle ne euh, oui. m'avait pas invité. et donc, euh... donc, vous y êtes allé, je le souligne. Mais oui, c'est bien, bien de le dire. Que vous voyez que. Bah, non, je mais suis parce honnête, que des fois, votre langue fourche est. Non, C'est pas vrai. Si, C'est pas vrai. Je vous l'ai déjà dit. Donc, je lui ai dit je vous ai envoyé 15 courriers depuis, depuis un oui. an. Bon, vous êtes allé là voir. – Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai envoyé 15 courriers depuis un an sur oui. des sujets graves. Oui. 14 n'ont pas eu de réponse. Donc, oui. c'est de ça qu'on a parlé. Par bon. exemple, on a parlé de discrimination ah. syndicale. Oui. Mais là, de pénibilité. C'est plus important. Que la non, la pénibilité, c'est l'un des sujets au cœur de cette réforme des retraites, non, non, et même non, plus largement. C'est un, un des sujets. Bon, bien sûr. Identification par les branches des métiers pénibles, est-ce vrai ou pas Est-ce que c'est engagé Pour l'instant, on n'a aucune réponse. Mais vous êtes favorable à ça Il y a besoin de reconnaître la pénibilité, de réintroduire... Les... Dans les branches, on reconnaît la pénibilité c'est la loi qui doit la reconnaître. Parce, oui. que, parce que, vous le savez bien, depuis les ordonnances, depuis mmh. le, la, la nouvelle réforme du Code du travail, ce sont les branches, voire les entreprises, oui. qui peuvent changer les règles communes. Et ben bah pourquoi, pour un même métier, si on n'est pas dans la même branche, on n'aurait pas la même pénibilité Vous avez raison. Merci. Donc vous négociez cela avec le gouvernement. Vous ne négociez enfin, pas. Vous discutez de cela mais, avec le, mais, le mais, gouvernement. Écoutez-moi. Madame Pénicaud nous dit Non, mais on verra plus tard, on va peut-être envoyer ça à une négociation. C'est-à-dire qu'on a un projet de loi qui va être présenté vendredi où il n'y a aucun, euh, aucune visibilité sur des sujets essentiels que vous évoquez la pénibilité, l'emploi des seniors. Et tout le reste Alors, Combien je... de temps on va être. Euh, 43 ans avec combien de points seniors. Non, mais c'est important. Des parce que, un sujet parce, majeur. ce qu'on avance comme un oui. bulldozer Enfin, on fait semblant d'avancer comme un bulldozer en disant. Est-ce qu'il n'y rapporte... a pas de négociation, de discussion prévue autour de l'emploi des seniors Oui ou non Il y a eu un rapport qui ne traite pas des vraies questions. La vraie oui question. Oui ou non, est-ce qu'il y a des discussions prévues autour de l'emploi des seniors il y a des... Mais moi, je... il y a des discussions. Oui mais... Ah bon, ben voilà Non, mais. Donc il mais, est possible de discuter, et vous discutez. Mais on ne discute pas des sujets de fond. Il y a eu un rapport de fait par une patronne d'un grand groupe. Oui. On ne, là, y a aucun, à aucun moment on évoque ces grands groupes, ils sont nombreux, mmh. qui virent les gens à 55 ans. Pourquoi Pour faire des économies. Mmh. Pour faire des économies, parce que vous savez bien, normalement en fin de carrière, on gagne un peu plus qu'en début de carrière. Ça, c'est inexistant dans ce rapport, vous voyez donc moi je veux bien qu'on discute mais on ne peut pas avoir une discussion franche sereine si on nous dit on discute de tout sauf de ça sauf de ça c'est comme euh, sur le financement par exemple on a le droit de discuter Alors, de tout le financement, Attendez je... je finis on a le droit de discuter de tout sauf de l'augmentation des salaires sauf de l'exonération de cotisation sociale pour les employeurs sauf de la taxation des produits financiers <laughs> vous voyez. Est, alors, est, on discute de tout, mais il y a alors, des interdits. J'ai deux questions. Pourquoi ne pas négocier avec le gouvernement pour obtenir des compensations mais... de moindre recul au lieu de rechercher, de réclamer un retrait que vous n'obtiendrez pas C'est ce que dit le patron de l'UNSA, ce n'est pas moi, je le cite. Vous savez que l'UNSA, alors c'est ambigu parce qu'une partie de l'UNSA est en grève et pas euh, le patron comme vous dites. Oui. Ça, mais ça, c'est leur problème à eux, interne. Euh, oui. euh, premièrement, vous savez très bien que nous ne demandons pas... Nous demandons pas... vous demandez toujours le retrait. Nous ne demandons pas que le retrait. Ben non, mais attendez. On et demande attendez, le retrait attendez. et l'amélioration du système actuel. Et je vous, demandez vous toujours le retrait. On est bien d'accord. Et hein. l'amélioration du système actuel avec des propositions concrètes. Mmh. Je vous, je vous le dis mmh. euh, et je viens de vous le redire. Qu'est-ce que c'est des négociations quand on vous dit on a le droit de parler de tout sauf de ça, de ça. Voilà. pourquoi on n'a pas le droit de discuter des augmentations de salaire j'ai cru comprendre dans, 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 dans vos, dans, à la radio tout à l'heure que je faisais partie des, des gens euh, les plus riches vous sentez que vous aviez envie de le dire je faisais partie des gens les plus riches du monde non. donc là aussi des 1% donc il faut aussi être précis mmh. des 1%, on, riches, Il 1% les gens les plus faut être du monde. précis quand on explique. De 2500 je euros. ne fais pas partie de ces 2500 milliardaires qui ah détiennent, bah ça, oui. merci, non, qui, qui détiennent 46 l'équivalent de ce que gagnent 46 oui, oui. c'est-à-dire quatre presque et qui s'enrichissent, et qui s'enrichissent plus voilà. vite que la moyenne, voilà. je ne que je la moyenne ne, des citoyens ne du ne monde. Ne me comparez pas à l'homme le plus riche du monde. Pas, je qui vous est dis, dis c'est bien d'être précis. C'est bien d'être précis. je suis précis. D'accord. De l'OXFAM, Qui dit que vous faites partie des 1 les plus riches du monde Vous gagnez plus de 2500 euros par mois Donc, Philippe Martinez. Bien sûr. Mais ah pas voilà. mais je ne Donc, suis pas moi milliardaire. Aussi, vous aussi Mais je ne suis pas que milliardaire. Que vous et vous, je je, fais vous, je sais pas mais bah, moi je suis pas milliardaire. Mais moi non plus, je suis ah, pas ça milliardaire. Va, ça me rassure. Moi non plus, euh, ça me rassure alors. Ah bon Bon, Philippe Martinez, j'ai une question. Est-ce que vous allez participer à la conférence de financement des retraites qui doit s'ouvrir début février On est, on a on n'a pas encore euh, fini le processus de consultation de nos organisations. Alors, vous êtes favorable ou à une participation ou pas Je suis favorable à une discussion sur le financement de la Sécu de la sécurité sociale en général et donc des retraites, à condition qu'on puisse parler de tout. Donc j'ai rendez-vous avec le monsieur, je me souviens mmh. plus de son nom, pardonnez-moi, mmh. mmh. qui est char en charge d'animer. On n'a pas de date de, de on n'a pas non. encore de, ça va être de début. De février, on n'a pas la non, date exacte. Ne dites pas début février, on ne sait pas. C'est pas moi, c'est Laurent Berger qui le disait lundi matin. Laurent Berger euh, ne je... le sait pas non plus. Bon, on n'a pas de date, on n'a pas de, de, de timing des oui. réunions. On sait juste que ça doit se finir fin avril. Bon, voilà. Alors, est-ce que vous participerez? Quand... On a, est on est, je, vous n'avez pas décidé encore. Je vous dis qu'on est en phase de consultation. Vous êtes favorable vous à la participation ou pas moi, Franchement. Je, moi, franchement. Moi, je suis favorable à ce que la CGT elle puisse s'exprimer comme elle le fait depuis, à condition qu'on nous le laisse. Alors, oui, mais. Est-ce que vous êtes favorable à la participation Je vous demande une réponse précise. Vous à titre personnel, vous avez mais, une idée Mais je je ne suis pas là pour parler à titre personnel. Je représente mon organisme. Non, mais peut-être peut-être que Martinez. Martinez. Vous avez des opinions. Vous avez mais, des mais, idées. Mais, vous mais, avez mais les idées. Que Pourquoi je... Parce que vous ne voulez pas froisser votre base qui est déjà Arrête, très froissée et qui vous déborde Est-ce qu'elle vous déborde C'est ce que je lis partout. C'est oui, vrai oui, ou pas Vous avez le droit de dire des bêtises, hein. On et, et mais, et mais vous n'êtes pas obligé de les croire. Hein. Moi, je, vais, je vous dis, je vais sur un piquet de grève tout à l'heure. Euh, C'est eux qui m'ont invité. Si j'étais débordé, je resterais caché dans mon bureau. Et vous savez, parce que vous l'avez montré, que j'ai été dans les dépôts de bus, j'ai été dans les gares. Alors, si j'étais débordé par je ne sais qui. Je resterai bien caché dans mon bureau. Que tout le monde ne soit pas d'accord à la CGT avec ce que dit la Confédération, oui. c'est normal. C'est ça la démocratie. Alors, oui. quand, euh, quand vous déciderez-vous de participer on, ou pas est, à on, cette conférence On est en phase de consultation. Oui. D'ici la fin de la semaine prochaine, on y verra plus clair. la fin de la semaine prochaine, et, et, vous aurez décidé. Et, 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 et vous verrez. Euh, oui. Et est-ce est que, que vous qu appelez fait. à de nouvelles manifestes Parce que. Il y a une, une inter... soit Il y a que les choses soient claires. Hein. Oui. Le 24, présentation au Conseil des ministres. Il m'étonnerait que le gouvernement retire mais, sa réforme euh, d'ici vendredi. Bon, hein. C'est dommage pour vous, vous êtes trop pessimiste. Euh, bon, il y a une journée d'action. Je oui, ne suis pas pessimiste. Je vous le dis. J'essaie je de vous regonfler un peu. Réaliste. Vendredi, c'est une journée oui. d'action importante, et j'appelle oui. toutes celles et tous ceux et ils sont nombreux 60% qui sont pas, qui ne sont pas d'accord avec ce projet mmh. à se mobiliser vendredi c'est le jour où jamais j'allais dire et il y a une inter le dernier jour non mais il y a une intersyndicale ce soir et vous aurez des Alors, nouvelles. Est-ce que vous êtes favorable à d'autres journées de mobilisation, de grève, de manifestation Nous sommes favorables à la CGT à d'autres journées de, nous, nous de, de manifestation euh, dès la semaine prochaine, mais on va en discuter avec nos homologues. Et vous aurez le résultat de ces discussions ce soir vers 20h. Merci Philippe Merci Bourdin. Euh, venu nous voir.